Comment vous êtes rencontrés, en fait? Enfin, pour le projet. Vous étiez là-bas, quand même, ensemble, c'est vrai. Mais en fait, on a connu donc, le projet qui a été créé par Antoine et Benoît, qui ne sont pas là ce soir, puisqu'ils sont en stage en Corée. Donc, ils étaient les investigateurs du projet. On a été mis en contact par Madame Hamelin, qui est la professeure de Maël. On verra tout à l'heure. Oui, voilà. Et voilà, on a été lancé dans ce projet grâce à Benoît et Antoine, qui nous a tout de suite plu. Alors, c'est quoi ce projet exactement, mademoiselle, en quelques mots? Alors, c'est la construction de maisons écologiques avec des produits peu manufacturés pour les rendre justement accessibles aux ménages les plus modestes qui ne peuvent pas prendre l'écologie telle qu'il est actuellement. Quelle était la grande difficulté dans ce projet? Je ne saurais pas trop comment dire, mais faire accepter aux gens qu'on puisse construire avec la paille, des pneus, voilà. Ah, parce que ça va jusque-là? Oui, voilà. C'est pas la raison d'être un petit cochon, c'est sécurisant, c'est durable, ça marche. Et ça marche vraiment? Oui. D'accord, très bien. Vous êtes occupé de quoi, vous? Alors, de tout ce qui est législation, finance et rédaction. Et vous, monsieur? Alors, plus de la partie stratégie commerciale. C'est vrai que je voulais rendre un petit hommage aussi à Benoît et Antoine qui ne sont pas là ce soir, qui ont été les porteurs du projet, qui ont d'ailleurs créé justement ce projet, et qui n'ont pas pu être là ce soir, parce qu'ils sont sages encore, et clin d'œil. D'accord. Et le nom, rappelez-moi le nom de la structure, de la société du projet? Double Éco. Et pourquoi Double Éco? Parce que c'est économique et écologique. Ben voilà. Merci beaucoup, Double Éco, donc le projet.